Salut, Salut, c'est Omerdoï et Cyanure pour ce nouvel épisode de 1.3 VS Noob. Donc c'est le deuxième épisode. et comme vous l'avez vu dans la petite accélérée à la fin de nos vidéos respectives, on a une maison, les troubles, puis on a mis du gravier aussi, et puis on a mis des escaliers, et puis les PNJ sont heureux et tout. Et puis on a été obligé de mettre une porte en fer pour pas pour éviter de se faire violer là. De se faire squatter. Et donc voilà, et ben, alors ça c'est pour vous montrer qu'on peut mettre au plafond maintenant des petits leviers. Ils sont mal mis. Voilà. Il y en a un sur deux. On s'en tape. Et puis sinon, le bois, alors vous avez remarqué que certains blocs de bois sont maintenant posés sur le côté. C'est possible désormais. Donc ça peut faire de très rendu comme ces poutres là qu'on a mis au-dessus. Ça rend très avec bien. Les petits coffres. Donc les coffres qui sont complets. Et je te propose d'aller dans le donjon. Dans le temple, le temple. D'ailleurs, pourquoi j'ai un levier dans la main? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as... Mais d'où il sort? C'est impossible. Tu te l'es guivé, hein? C'est fou. Tiens, y a un PNJ violet là-bas. Donc on a détruit simplement leur plus grand champ, hein, puis on s'est posé dessus. Puis on leur a pissé dessus. Leur plus grand champ. Puis encore heureusement qu'il n'y a pas trop de bâtiments dans Minecraft. Parce que si jamais Jeb rajoute d'autres trucs, j'aurais pu faire. Bon, bah on a rasé leur orphelinat, puis on a mis notre maison à la place. Puis on leur a pissé dans ce truc parce que moi, voilà, je suis impatient. Jeb rajoute des orphelinats pour qu'on puisse leur pisser dessus. C'est très joli ce temple. Il y a un PNJ. Bienvenue dans le temple du désert. C'est très joli cette laine là. Oh la laine bleue, à moi la laine bleue. Attention, faut pas C'était tomber. C'était pas une idée. Faut pas tomber sur la plaque de pression. Non mais attends cher ami, y a pas un moyen plus simple de descendre? Ah. Oh, la plaque de pression. Ah mais c'est de la merde. S'il y a dans les coffres. Attends avant de prendre. Ah si, là c'est pas mal. J'ai trouvé cette... Non mais il y en a un, j'ai déjà vidé en fait, j'ai pris les 11 lingots d'or et les 13... Bon en fait c'est des tombes quoi. Y'a que ça dans ce temple, sérieux? On remonte comment? J'ai de la terre. Adios amigos. Non, sauf sur le truc pour voir ce que ça fait. Ouais bah alors redescends, reprends tous les objets et je testerai le piège. Tiens, je te donne tout ce que j'ai, sauf cette laine bleue, pitié. Je t'en supplie. Allez, remonte, soldat. Si je vais devoir crever, vas-y. Attends, détruis les trucs de terre. Pour pas que ça gêne le piège, ou je sais pas quoi. Y'a le PNJ qui... Bon, je suis désolé mon pote, mais tu vas sûrement crever toi aussi. J'ai marché sur la plaque de pression. Il est tombé dans mon trou. C'est un piège. Attends, je viens voir ce qui s'est passé, parce que bon, bah du coup... Je crois que le PNJ, il est un peu dans la merde. Il est tombé? Non, mais il est dans un trou. Couillon. Mais ils viennent tous, les PNJ, c'est la fête, quoi. Attends, je veux voir ce qui s'est passé. Tu vas résumer. T'es mort. Non, le PNJ, oh, je l'ai balancé dans le néant. Putain, pète pas le cube ou je suis dessus. C'est bon. Ah bon, on peut plus faire de pièges comme ça. Mais moi, je suis. Y a pas un moyen d'entrer dans les tours sur le côté. Y a que ça, sincèrement. Si, pour entrer dans les tours, faut aller là. Merde. Là, c'est une tour, ça. Mais y a rien dedans. Mais attends, mais t'es allé où, putain de PNJ? Casse-toi. Là, regarde, viens. Trou du cul. Attends, moi, je vais dans l'autre tour très sombre. Très sombre, c'est un peu bas ce qu'il y a plus. Ah, la lumière. Ah, la lumière. Ah, éteint. Allume, éteint. Jour, nuit, jour, nuit. Attends, bouge, j'ai une pioche. Ah, merci, Seigneur. Yeah. La lumière du jour. Oh, pardon. Attends, bouge. Adios, amigos. C'est sympa, ce temple. On aurait pu l'aménager, en fait. Ceci est ta tombe. Et y'a quoi, là, à l'étage au-dessus? Ouais, y'a rien, quoi. Ouais, c'est con, ça fait des jolis temples, mais y'a rien à voir. Puis on n'a pas eu d'émeraude. Tu me disais qu'il y avait des émeraudes, Homer.
C'est possible, une fois j'ai dit une émeraude. L'autre, on a bu des diamants. Bon, je te propose qu'on prenne quelques objets qu'on a et qu'on aille voir nos PNJ. Puis qu'on fasse okay. un peu de commerce. Alors, quoi. Qu'on toi, voit tu comment ça quoi marche. 16 poulets contre une émeraude. Trop cher. Tu te fous de ma gueule, mec. 16 poulets. Putain, déjà qu'on a même pas de. On a même pas de. Comment dire. Ah, là-bas, y en a un là-bas. Si... Une émeraude. Il va pas vers les cactus, mais il est con. Une émeraude contre 6 pommes. Ouais, c'est pas gagnant non plus. Une émeraude contre 4 pains. Mais les mecs, on n'a pas d'émeraude. 17 poulets. Mais les mecs, ils veulent que de la bouffe. On n'a pas de poulets. Mais faudrait. Parce que c'est des fermiers. Connard. Mais y'a que ça là-dedans. Mais en fait, on a trouvé le village le plus pourri, quoi. Quoique, il y avait quand même un temple au milieu du village. Pas mais tout à l'heure, il y en avait un avec une. Une truc. Il avait un truc violet. Il est où? C'est quand même pas celui que t'as tué. Je vais aller voir. Ce serait con que le seul PNJ. Il avait un tablier violet ou un truc comme ça. Le seul PNJ qui peut nous vendre un truc intéressant est au fond d'une mine. Ah, lui avait pour 3 diamants, il nous vendait 6 ailes. Je suis au fond. Il fait sombre. Et lui, pour 14 laines, il nous donnait un diamant. Une émeraude. Une émeraude. Ah, merde. Je suis vivant. Plus pour longtemps, il y a des squelettes partout. Aïe. Merde, je suis descendu pour te protéger. Eh ben, il faut qu'on commence la culture de poulet, ça veut dire. Putain. Sauf que vas-y, va aller chercher les poulets, quoi. Ou alors on trouve une émeraude. On a plus de chance avec les poulets. Je sais pas, en fait. Mais il se barre, le PNJ, en plus, hein. Ouais, donc du coup, pour le commerce, ah, c'est un lag. Peu mort. Bon. Je pense qu'on va se giver des trucs, en fait. Je fais comment pour remonter, Seigneur? Tu veux vraiment savoir? Tu te démerdes. Parce que je sais pas. Mais pourquoi vous voulez du poulet? Vous voulez pas d'autres trucs? C'est quoi, ça? Il y a des tours en sandstone. Putain, il m'a suivi, le bâtard. Bah là, dans les grottes, il y a 3 piliers en sandstone, ça fait trop bizarre. Oui. C'est pour dire, sortez-nous. C'est peut-être des tons. Attends, je vais prendre des objets quand même. Je sais pas, il y a un truc avec les objets qui est bizarre. Je vais prendre... Tiens, allez, on va prendre un truc sympa, genre une bonne... Non, pas une bonne hache. Un peu de ink sac. Je vais prendre un petit peu de... truc. Cyanure, je peux me TP. Du blé, non. Il y a une araignée. J'espère que t'as rien d'important sur toi. J'essaie de pas creuser au-dessus de ma tête. Voilà, je leur amène 2-3 trucs, on va voir s'ils en veulent. Je ressors où là? Putain, mais je suis où? Homer perdu dans les tréfonds. Alors attends, ah, si d'accord, c'était une... des piliers du. Ouais, bon. Mais alors. Je comprends pas. Tu vois, il y a 2 cases en dessous. On peut mettre des objets, mais... En dessous quoi? Non, c'est parce que des fois, ils peuvent te demander 2 trucs contre un truc. Mais plus tu commerces avec eux, plus tu vas débloquer des trucs. Ah ouais. De la merde, et après, ils vont vendre des bons trucs. Donc, ce qu'il nous faudrait, c'est des poulets. Fuck. Parce qu'une fois qu'on aura des poulets, on aura une émeraude, donc on pourra échanger ça contre des pommes. Et puis les pommes, on va bien pouvoir en faire quelque chose. en faisant comme ça, mais en commençant par une trombone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir des poulets? Parce que bon, enfin, sincèrement, j'ai pas d'idée. On n'a pas de culture, on n'a rien. On avait des œufs dans la maison de la jungle. On aurait dû peut-être les sauver. On va les chercher. Quoi? On va les rechercher. Bon, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sinon dans la 1.3? Il y a rien. Il y a des corrections de bugs, des trucs au niveau du chat, mais qui sont nuls à chier, les nouveaux blocs qui changent un peu, plein de nouveaux bugs. Et donc c'est la fin de 1.3. Et donc c'est la fin de 1.3. Non, non, je pense qu'on va essayer de se lancer dans le commerce avec ces couillons. Mais il nous faut des poulets. Il nous faut des poulets. Ils peuvent pas nous demander. Moi, sur une partie, ils me demandaient du blé. C'était facile. T'avais juste à tendre la main, quoi. T'avais juste à voler leur champ.
Ah si, il y a les nouveaux livres, mais on n'a pas de canne à sucre. Eh ben, je te propose, on part en exploration, chercher des poulets et de la canne à sucre. Mais avant, on dort pour faire passer la nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis les poulets, alors les poulets, franchement, on en trouve deux. On commence un élevage et on le fera hors caméra, l'élevage de poulets. Parce que franchement... Quoi? T'as récupéré le cube bleu que je t'avais donné? Oui. Il demanderait de la laine et ces abrutis de PNJ. Ouais, ou des pistons, ou du fer, ou... Je sais pas. On n'a pas d'épée? Moi j'ai des bandiaps. Bah, je m'en fais une. Tiens, attends, je sais que t'as... Et bah, je me fais encore deux blocs d'or. Parce que je suis pimp. Te prends pas pour Bob, arrête, Homer. Mais... C'est pas du Fanta et Bob qui veulent les abonnés, c'est du cyanure aux merdouilles. Ouais, ils veulent du PGM, ils veulent pas du, de la triche. Clac, oh. Prends ça dans les dents, Fanta. Oh. Oh, on est méchant. Non, mais fais avouer, on l'aime bien, Fanta, mais sur la dernière vidéo... Assassin's Creed. Assassin's Creed, que d'ailleurs, on avait fait... Après, il dit qu'il roule pas sur les gens, ça, je dis rien. C'est j'essaye de cacher ma colère. Non, non, mais on l'aime bien, Fanta. Mais sur la dernière vidéo d'Assassin's Creed, il abuse un petit peu sur le cheat. Quoi. Tiens, là-bas, il y a de la canne à sucre. Eh ben, moi, je pars en exploration. Où c'est qu'on peut trouver des poulets dans ce bordel? Dans les plaines. Dans les jungles. Tiens, il y a de la canne à sucre là-bas. C'est la même que t'as vu ou pas? Je sais pas. Moi, elle est pas bien haute. Elle est qu'à 2 haut. Ah, bah, c'est pas la même que moi. Parce que moi, je te trouve de la canne à sucre, mais... plus savoir quoi. Non, je récupère des Inkstein. Des quoi? Bah les trucs là, des poules. Comment ça s'appelle? Inksac. Sac d'encre. Je crois que c'était Stein. Moi j'en ai un peu là du coup. Je vois des vaches, alors je peux espérer voir des poules peut-être. Je peux espérer voir des poules. Ah! Non, putain, c'était un boulot. Et moi, vache, vache, coup. herbe. Cochon, putain, allez, j'ai tous les animaux de la forêt, mais pas celui qui m'intéresse. Ouais, les bugs de lumière, ils sont toujours là. Voilà, par exemple. Pas de poulet. En fait, c'est de la merde ce jeu, c'est pas possible. C'est pas possible. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça corrige les bugs de la précédente et ça en rajoute des nouveaux. Et des fois, ça corrige même pas les bugs de la précédente. Ouais, j'avoue, parce que les trucs... Putain, mais j'ai plus de bouffe. Oh, je vais crever. Y a pas de poulet, ici. Moi, si je trouve un poulet, je le bouffe, hein. Oh, un mouton. Il voulait pas de la laine? Oh, putain! Il voulait de la laine, non? Oh, mon gars, tu sais, y avait la bug avec la neige. Ouais, une quinzaine de laine. La neige, tu sais que tu rentres dedans parce que c'est mal fait. Et en dessous, y avait un lac de lave. Et j'ai eu de la chance, je suis pas tombé dedans, quoi. J'ai amené un mouton à se suicider. Par contre, j'ai pas de cisaille, alors du coup, je les tue. Ah, moi, j'ai une cisaille. Ouais, bah... Je crois qu'on est loin. Tant pis, je les tue. Mais si tu vois des moutons, récupère-les. Mais moi, je suis... Y'a que des cochons. Y'a que des porcs. Bah, moi, je dois avouer que je m'éloigne un peu de la maison. Ce qui me fait un petit peu peur. Y'a d'autres moutons, là-bas. Puis une vache qui essayait de se cacher. Ah, une vache. Une deuxième vache. Ah, pareil. C'est dingue, tout ce que tu dis, c'est exactement en rapport avec ce que je fais. Ah mais oui, il nous faut du cuir pour faire des livres. Maintenant. Ah bon? Non. Si. Où c'est que t'as vu qu'il faut du cuir pour faire des livres? Pour faire un livre, il faut du cuir. Mais que dalle, mec. Mais je te jure que si, la couverture, tu l'as fait en quoi? Je te jure, va voir sur... Va voir, mais... Ah, il a changé le craft des livres? Oui. Mais c'est un taré. Mais c'est surtout que c'est super chiant maintenant, parce que bon... Fuck. Moi je récupère des steaks, ça nous fera de la bouffe. Jeb, qu'est-ce que t'as foutu? Puis il y a les nouvelles pommes d'or aussi, je crois, ou je sais plus quoi. Ouais, bah ce compte-là, il va nous falloir beaucoup d'or. Beaucoup bah, d'or. Bah moi, je suis en train d'avoir beaucoup de laine. Beaucoup de laine. En fait, je trouve que des moutons, des vaches. Moi, je trouve que des porcs. Bah moi, j'aimerais bien trouver des poulets. C'est devenu si rare que ça, les poulets. Putain, mais il y a des moutons partout, c'est incroyable. Mais ça dépend des biomes, en fait. Vois-tu? Voyez. En fait, ce que je vais faire, je vais revenir au village. Je vais prendre du blé. Puis je vais les ramener.
Au village. Sauf que j'ai perdu le village, Omer. Oh bah alors d'accord, d'habitude... Oh putain, je suis presque mort. J'ai trouvé un marais. Omer, Omer, où je suis? Oh, un loup. Salut. Oh, des loups. Louis, tu t'as pas de noces? Non. Oh, une espèce de crevasse. Ou je sais pas quoi. Épisode d'exploration, aujourd'hui. Bug de lumière, bug de lumière. La recherche paumé. Du poulet. Oh, attends, une grotte. Ouais, je sais pas que les chauves-souris pouvaient pousser sur les feuilles des arbres. Je suis dans une grotte, Homer, mais on y voit que dalle. J'aurais dû prendre des torches et tout. Moi, je reviendrai plus tard. Je peux pas sortir, à l'aide. Je suis con. Bah, je suis dans le désert, mais là, joueur... Ah si, le village, il est là-bas, ok. Moi, je suis paumé, à l'aide. Un peu de charbon, puisqu'il nous en faut pour... J'ai des champignons. C'est toi qui as miné là? Quand tu disais que t'avais miné, t'as fait un gros carré dans une montagne. Oui. Oui, j'avoue, j'ai fait ça comme un bleu. Et tu voulais du truc, tu sais, qu'il y en avait juste au-dessus. De la cobble? Non, du... Non, mais le charbon, non, alors là, j'ai trouvé le désert, mais est-ce que c'est le bon désert? Fuck, Homer. Je suis paumé. Ouais, je récupère un peu de charbon, comme ça me fait de l'XP. Non, ça me fait plus d'XP. Oh, c'est pas à tous les coups qu'on a de l'XP en tuant des charbons. Coup de bol alors, parce que première fois que tu récoltes du charbon, clac, l'XP. Non, regarde, non, mais là, hop, j'en ai. C'est, là, quoi, j'en ai. C'est quoi ce truc? Attends, j'ai trouvé un nouveau temple, mec. Enterré dans le sable. Oh, je peux venir voir? Oui. T'as le droit de te TP, allez, exceptionnellement, j'ai trouvé un temple. Enfin, je pense qu'il y a un temple, enfin, tu vas voir, c'est peu commun, quoi. Et ben c'est le nôtre. Non. Ah oui, il y en a un autre là. Ouais, regarde. Ouais, trop bien. Oh putain, il est entièrement enterré. Ah ouais. Attends, mais moi je descends à l'intérieur là. C'est bon, je suis rentré par une tour. Moi aussi je suis dedans là. Salut Homer. Ah, elle est là l'entrée. Attends, je vais la creuser l'entrée. Il y a des champignons dedans. Oh, de l'or. De l'or. Dis-moi que t'as du fer. De l'or. Puis de la bouffe de merde. Merde, on est où là? Ah. T'en descends pas, c'est ça, ouais. Y'a rien à voir en bas donc, pas d'émeraude, rien. Je récupère la laine bleue et je remonte. Je sais pas si j'aurai assez pour remonter. Je viens de faire une sortie. Par contre, on sait toujours pas où on est du coup. Bah, c'est surtout que moi j'étais à côté du village, maintenant je sais plus. Fuck. on en est à 18 minutes de tournage. Eh ben, je pense que pour cet épisode, on va couper. On vous a montré les temples. On va récolter quelques ressources. On va peut-être se lancer dans l'élevage. Hors caméra. Bon, qui sait. On va essayer de trouver des trucs intéressants à vous montrer dans le troisième épisode. Mais hors caméra. On vous montrera ça. Donc allez, à la prochaine. Pensez à vous abonner. On a chacun un Twitter si vous voulez suivre les informations sur nos chaînes respectives. Et puis sinon, c'est tout. Donc voilà. À la prochaine. Allez, salut. Oh, y a un autre mouton là-bas. Attends, je nourris les poulets avant de déco. Piti, piti, piti. Faites des bébés. Oh, j'ai fait naître des poulets. Je suis heureux. Allez, hop. Aimez-vous les uns les autres. Comme disait l'autre. Eh ben, on aura bientôt assez de viande.